Au mois de mars 2021, au cours d'une interview explosive scrutée par le monde entier, Meghan Markle a révélé qu'un membre de la famille royale d'Angleterre a glissé un commentaire qui l'avait profondément choqué. Lorsqu'elle était enceinte de son fils Archie, ce Windsor, qu'elle n'a pas souhaité nommer, lui a demandé de quelle couleur la peau de son enfant serait, en raison de ses origines afro-américaines. Un commentaire que de nombreuses personnes ont jugé teinté de racisme. Mais pour l'ancien footballeur britannique John Barnes, il n'en est rien. Cette tête couronnée ne faisait qu'être réaliste. L'ex-star du ballon rond, qui est non seulement le père de cet enfant mais est aussi d'origine jamaïcaine, a fait part de son avis dans les colonnes du Sunday Times Magazine, un hebdomadaire britannique, ce dimanche 10 octobre. Les gens se demanderont toujours à quoi ressemblera le bébé et s'il sera noir, a-t-il déclaré. Pour lui, Meghan Markle et le prince Harry auraient mal interprété ce commentaire. Son auteur, d'après lui, ne se serait uniquement soucié de la façon dont le public verra le bébé. John Barnes développe, parce qu'ils savent que si le bébé est trop sombre, le public ne verra pas le bébé de manière positive. Ils sont réalistes. Il souligne plutôt l'inquiétude de la firme face aux attaques racistes potentielles, dont Meghan Markle a d'ailleurs été victime au fil de son idylle avec le duc de Sussex. Qui a pris Archie pour cible? Mais qui est l'auteur de ce commentaire? Si les rebelles de la couronne ont juré de ne jamais dévoiler son identité, les spéculations du public ont été nombreuses. Les regards se sont d'abord tournés vers le prince Philippe, réputé pour son franc-parler. Il a finalement été mis hors de cause par Meghan Markle et le prince Harry, tout comme Sa Majesté Elizabeth II. Le prince William et le prince Charles ont eux aussi été pointés du doigt. L'expert royal Lady Colin Campbell a finalement laissé entendre que la princesse Anne serait à l'origine de cette déclaration. Hypothèse qui attend toujours confirmation.